Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui épisode 3 sur les aventures Ansible, la découverte d'Ansible. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes intéressé, eh bien je suis Nils et les deux épisodes sont normalement disponibles en replay. Bien alors, petit résumé des deux épisodes précédents. On a commencé à essayer d'installer un serveur web via Ansible sur une machine virtuelle que je comment dire que j'instancie depuis Google Cloud Platform. Et je l'instancie depuis Google Cloud Platform de façon relativement simple, c'est-à-dire que j'ai fait une série de streams sur Terraform, et donc j'ai utilisé cette VM que j'avais réussi à configurer depuis Terraform. Enfin, configurer, lancer depuis Terraform. Voili, voilou. Alors tout ça, c'est une partie de quelque chose d'un petit peu plus grand. Oups là, attention le micro. Tout ça, ça vient d'un truc un peu plus, une idée un peu plus long terme, qui est en fait un projet que je vais d'ailleurs démarrer la semaine prochaine, je pense, qui est de vouloir automatiser la création d'un labo réseau virtuel. Donc en fait, ça va être plusieurs machines virtuelles avec plusieurs réseaux virtuels différents qui vont se trouver sur une seule machine physique. Ce que j'appelle depuis maintenant quelques années mon home lab, eh bien l'idée c'est justement de pouvoir automatiser la création et la gestion de ce home lab avec plusieurs briques. Tout d'abord Terraform pour justement instancier les machines virtuelles et les réseaux virtuels et le stockage. Et ensuite une première configuration initiale avec CloudInit, lorsque c'est possible, et ensuite une configuration plus avancée, beaucoup plus avancée, avec Ansible. Voili voilou pour donner un petit peu le contexte dans lequel se situe ce troisième épisode dédié à Ansible. Alors si vous le voulez bien, on va pouvoir passer dès à présent sur le terminal, ici, voilà. Et alors là, je suis déjà connecté sur ma machine virtuelle, d'un côté. Et de l'autre, on va aller dans le répertoire qui va bien de mes projets. Hop. J'avais utilisé le nom par défaut de GitHub. Alors si jamais vous souhaitez retrouver ce code. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore committé le code Ansible, mais je pense que je vais commencer par ça, committer le code de la dernière fois, puisque lors de la dernière vidéo, il était un petit peu tard et j'ai préféré remettre à plus tard le fait de committer le code. Je vais vous poster ça tout de suite ici sur le chat du live, mais je vais aussi le mettre dans le Discord, donc dans les liens du live, et ça va être l'occasion de signaler que vous pouvez entre deux lives vous rendre sur le Discord dont le lien est ici, mais aussi sachez que vous pouvez retrouver les anciennes vidéos non seulement en replay pendant 2 semaines, mais aussi plusieurs semaines plus tard sur ma chaîne YouTube, dont le lien doit être quelque part en dessous. Et si jamais vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, d'abord merci, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors, maintenant que je suis là, je crois qu'on a un message. Hop, et je vais aller regarder ça tout de suite. Oh bah salut Vanston! J'utilise Terraform pour setup des machines chez moi où c'était en cloud. Alors, pour toi, c'était réservé au cloud. Alors, c'est cool que tu en parles au passé, puisque, effectivement, on utilise bien souvent Terraform sur des clouds publics, principalement AWS et un peu Azure et en fait GCP. Donc, le cloud de Google fonctionne aussi comme ça, ainsi que le cloud d'Oracle. En fait, ce qui est intéressant avec Terraform, c'est que on a des mécanismes de provider.
Donc les fonctionnalités de Terraform ne sont pas forcément identiques d'un fournisseur de cloud à un autre. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'étendre les possibilités de Terraform avec un nouveau provider. Littéralement, si j'utilise le mot provider, c'est justement parce que c'est la terminologie Terraform. Et chose amusante, Terraform non seulement fonctionne dans des clouds publics, mais fonctionne aussi pour du cloud privé. Donc, on peut utiliser Terraform avec, par exemple, Proxmox, avec XCPNG Xen Orchestra. Je ne sais pas si ça fonctionnerait avec du... mince. Avec du... zut, c'est quoi le nom? J'ai mangé le nom. Le truc de Cloud Libre. Alors, je ne sais pas si ça marcherait avec VMware, mais avec... zut, j'ai oublié le nom. L'autre truc, au lieu de vSphere, c'est le truc qui est basé libre. OpenStack, voilà. Je ne sais pas s'il y a un provider OpenStack pour Terraform, j'ose supposer que oui, mais ne prenez pas, comment dire, ne prenez pas cette supposition pour une vérité acquise. Et par contre, ce qui est aussi possible, c'est d'utiliser Terraform avec Libvirt. Et justement, en préparation du démarrage du projet la semaine jeudi prochain, si jamais il n'y a pas d'autres trucs que je veux faire uniquement en Ansible d'ici là, je préfère préciser au cas où, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des tests, et c'est assez sympathique de pouvoir utiliser Terraform pour bah, littéralement pop une VM, quelques réseaux. C'est assez amusant. Ça me fait bien plaisir, et j'espère pouvoir vous partager ça dès jeudi prochain. Voili, voilou. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Vanston? Alors, normalement, j'ai tout mon code hop, Terraform qui est là. Et j'avais même les trucs backup et trucs qui vont bien. Et en fait, ce que je voulais faire et que je n'avais pas le temps de faire la semaine dernière, c'était justement committer tous les trucs dans Ansible. Alors, déjà d'une, on va aller là, on va faire un petit RM de tout ce qui est fichier de backup de Vim. Et puis, ce que je pensais faire, c'est faire peut-être un cp-vp de inventory.yaml vers inventory.yaml.example override. Ah tiens, je l'avais fait. Ok, cool. Et puis j'avais mis un ABCD. Tiens, d'ailleurs, on va tout de suite modifier l'inventory ici. Hop, 3. Non, il est passé où? Ah, je me suis déco de la VM. Pop, 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 pom, je me suis déco de la VM. Tatalitalum. Non. Ah, je crois que je l'ai fait. Ok, je l'ai faite là. Alors, on va bouger ça tout de suite parce que je voudrais pas me prendre les pieds dans le tapis. Hop. Donc là, 2. 3, non, 4, 5, 6. Non, il est toujours en 7. Hop, pourquoi il est toujours en 7? Hop. Bah alors. Hop. Ça commence bien. Ça commence très bien ce soir. Alors, pendant ce temps, Vanston qui répond, ouais, après, tu as jamais compris comment deux machines sur le même réseau pouvaient se partager une IP. Donc j'ai jamais pris le temps d'essayer de setup ça chez moi. Ah, ok. Oui, d'utiliser une adresse IP virtuelle entre deux machines. Tu as différents systèmes. Tu as le truc, j'ai envie de dire, classique. Tiens, on va en profiter. Je vais tout de suite lancer un autre navigateur. Hop, on va faire un petit aparté sur ça tout de suite. Hop. T'as un premier truc qui s'appelle VRRP. Hop, j'aurais aimé trouver la page Wikipédia plutôt que de trouver des trucs. Hop. Voilà. VRRP. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le truc que tu vas trouver plutôt sur des routeurs, des firewalls, qui est historiquement un protocole qui avait été fait, je crois, par Cisco, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, c'est un protocole, voilà, protocole de redondance de routeurs virtuels.
C'est. Ah, il a été mis dans une RFC. Ok. Mais je crois que historiquement, c'était un truc. Mais par contre, voilà, tu as d'autres protocoles qui sont. Ah oui, c'était HSRP le protocole Cisco. Voilà, c'est pour ça. Tu avais HSRP, le protocole Cisco, et tu as CARP qui est utilisé aussi côté open source. Tu trouveras notamment, CARP est très utilisé notamment sur les systèmes BSD, en particulier OpenBSD, puisque c'est je crois de là que ça vient. Et tu as une implémentation pour Linux qui s'appelle UCARP, voilà. Qui donc, le U est défini en espace utilisateur. Je vais poster les liens Wikipédia, hop là. Tu as pas mal de possibilités hein, à ce niveau-là. Faudrait vraiment que je trouve un truc pour. Faut que je code un bot ou alors que je vois sur des bots en as a service pour aller renvoyer les liens du chat directement dans les liens du live sur Discord. Ça pourrait être une idée de vouloir le faire en auto-hébergé. Bref, toujours est-il que voilà, c'est possible. C'est possible. Oui, tout à fait. Tout à fait, Vanstone. Alors moi, pendant un temps, j'avais deux serveurs DNS sur mon LAN. Ce que je faisais, c'est que j'avais mis du CARP, parce que les deux serveurs DNS étant sous NetBSD, CARP est intégré nativement. Et donc, j'avais une adresse IP pour chaque serveur DNS, et j'avais une troisième adresse IP qui était ce qu'on appelle la VIP, la Virtual IP Address, qui en fait était en temps normal sur le DNS slave, et qui, si jamais le slave se cassait la figure, basculait sur le master. Après, si tu veux faire du load balancing HTTP, ce qui se passe, alors ça c'est surtout de la haute dispo en fait, c'est pas tant du load balancing. Si jamais tu fais vraiment de la répartition de charge, t'as d'autres trucs, tu vas avoir typiquement Nginx sait faire de la répartition de charge HTTP, Apache aussi, tu trouveras aussi HAProxy, mais ces outils-là sont juste là pour faire la partie HTTP. Donc, si tu veux avoir, enfin, la partie vraiment réparte de charge, si tu veux vraiment avoir de la réparte de charge et de la haute dispo, tu as aussi sous Linux KeepAlive. Tu as KeepAlive qui est pas mal. J'aurais aimé, hop, je voulais la voir en, hop, Wikipédia. Voilà. Pop, 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 pom. Et probablement pas dispo sur la page en français. Est-ce que. Ah, il nous le propose dans VRRP, il nous parle de KeepAlive? KeepAlive.org. KeepAlive.org, voilà. Hop, il faut que tu testes ça. Pour mon histoire de bot, le chat Twitch est dispo via IRC. Donc je fais un bot IRC pour lire le message. Ah, c'est pas bête, tiens. C'est pas bête. Oui, bah justement, c'est pour ça que je te parle de KeepAlive.d ou de UCARP, et de façon générale des protocoles comme HSRP ou VRRP, parce que ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre deux HAProxy, par exemple, sur deux machines différentes, et tu as un KeepAlive.d entre ces deux machines. Et une fois que tu as ton KeepAlive.d entre ces deux machines, ben, tu sais que tu as la haute disponibilité de ton répartiteur de charge, et après, tu peux sur ton KeepAlive.d. Pas sur ton KeepAlive.d, sur ton HAProxy, tu peux dire des machines derrière, elles, sont en réparte de charge. Alors, UCARP, c'est l'implémentation du protocole CARP, mais en espace utilisateur. C'est assez simple à mettre en place, voire même un peu simpliste. De mémoire, CARP, le système CARP, il va se limiter à juste du ping ou vraiment une coupure genre purement réseau. Si jamais, par exemple, dans mon cas de figure avec CARP, j'avais mis donc des serveurs DNS sous NetBSD, et ben si jamais tu as ce cas de figure-là, il aurait fallu que l'une des machines soit vraiment injoignable, vraiment au niveau IP, pour que la bascule se fasse.
Alors que Keep Alive Day va te permettre d'avoir des trucs, ce qu'on appelle des checks de vie, des heals checks, qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus détaillés. Mais pour ça, je t'invite à aller un peu plus dans le détail de la documentation. Tu dois avoir des scripts qui peuvent être lancés en check de vie et qui permettent ensuite de... Sur Keep Alive Day, de mémoire, la bascule, elle va assez vite. Et pareil sur Carp. Hein. Globalement, t'as un genre de... Ah bah tiens, en fait, Keep Alive Day implémente du VRRP, donc voilà. Donc c'est... je crois que c'est fait pour... Honnêtement, ça va très vite. Hein. C'est moins d'une seconde, ça c'est sûr. Tu fais des tests, hein. tu vas vite voir. Hein. Tu peux les faire en VM, comme ça, dans un sous-réseau. Hop, allez, on va quitter tout ça. Hop là. Et moi, je voulais que le truc, il aille... Pourquoi il veut pas passer? Pourquoi je peux pas le bouger? Hop. C'est chelou, ça. D'habitude, je peux. Alors, là, 1, 2, 6... C'est... Mon terminal a décidé de me troller ce soir. C'est ennuyeux. Ah mais à ton service, Vanston, à ton service. Alors, est-ce que je vais réussir à... Non, il en veut toujours pas. Bon, et bah écoute, dans ce cas-là, on va faire très simple. Hein. On va se déconnecter d'ici. Hop, on va se reconnecter ailleurs. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je me... Hop. Voilà. Ici. Voilà. Très bien. Allez. 3. Donc. GitHub. Hop. Et donc, ce que je voulais aller faire dans le répertoire Ansible, c'était dans l'inventory. Justement, je voulais, hop, changer l'adresse IP, puisque d'une semaine à l'autre... Vu que j'éteins et que je rallume la VM, on a pas les mêmes choses. Et ce que j'espérais faire, c'était rajouter dans le point .gitignore de dire... Ah bah oui. Je... Si je lui dis ici... Ansible stuff. Et que je lui dis d'ignorer inventory. Voilà. Inventory.yaml. Voilà. Hop, git status. Donc il m'a modifié le gitignore. Donc si je fais un git add ansible.cfg, hop, qu'on ajoute le inventory.yaml.example et le nginx.yaml. J'ai quoi dans le nginx.yaml? Est-ce que j'ai des trucs qui sont... Non, ça va. Ça va. Hop, et on ajoute le nginx.yaml. Ça, c'est cool. On est bon. Super. Oui, comme toujours, j'oublie de faire git commit -m. Voilà. Git push, enfin git status. Tout va bien. Parfait. Génial. Allez, on va dans le répertoire Ansible. Donc je vais d'abord vérifier que mon... Tiens, on va faire sauter ça tout de suite. Hop là. Voilà. Donc ensuite, playbook. Hein. Hop. Verbose check diff. Ouais, non. Hop, voilà. Et...
on va se remettre notre petit serveur web Nginx. Hop là. Salut Manon, bienvenue à toi. T'inquiète, t'inquiète. On est juste en train de justement de remettre les... On vient de passer la partie résumé de là où on en était et de comprendre un peu où est-ce qu'on allait aller. Tu sais, c'est comme quand tu as ignoré l'introduction sur Netflix. Ou plutôt le résumé. Je sais plus. C'est pas grave. Bien. Ah oui. Il a mis la conf. Ok, c'est cool. Il est en train de récupérer... Ok, ça a l'air pas mal tout ça. Donc, si je viens... Si je viens récupérer l'adresse IP ici... Hop. Et que je fais un petit http://. Hop là. Donc, nickel, on a notre contenu en plus. C'est génial. Alors. Allez, donc ça, c'était la partie conf, ok. Et donc là, ça, c'est mon playbook avec quelques tasks et un import de rôle. Ok, cool. Donc là, je vais pouvoir juste garder mon éditeur de texte. Et ici, je vais aller dans mon répertoire Git. GitHub. Hop. Voilà. Et dans le répertoire Ansible. Comme ça, je vais pouvoir refaire mes playbooks. Relancer mon playbook. Là, si je fais juste un check, normalement, il va me dire, eh, au fait, tout va bien. Ça a l'air d'être plutôt bon signe. Il a l'air d'apprécier ce qu'il voit. Hein. À chaque fois, ok, 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 ou skipping, ce qui est cool. Et voilà, parfait. Donc, a priori, ok, 23. Ok, génial. Donc, si je reviens ici... pgrep nginx, ok. Où est-ce qu'il est censé m'avoir mis le var whtml? Ok. Et donc là, toute la page web mise en place par nginx. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Moi maintenant, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on pourrait peut-être essayer de faire un peu autre chose que du nginx. Et mais de toute façon, je vais garder le Nginx. Hein. Il va rester là pour le moment. Alors, parmi les idées que j'ai, dites-moi d'ailleurs si vous en avez dans le chat. Hein, je me disais, est-ce qu'on peut envisager de récupérer un dépôt Git, par exemple, qui pourrait contenir, par exemple, une arborescence web, au hasard. Ou alors, peut-être faire des trucs un petit peu plus bas niveau, comme créer un utilisateur, mettre en place des configurations système. Parce que, par exemple, on pourrait se dire, tiens, si jamais on veut mettre en place des sysctl, si jamais on veut mettre en place des sudo, ce genre de choses-là.
Ceci étant, après, dans la conf par défaut qui est sur la VM ici, si je fais un sudo-l, on peut voir que je suis quand même déjà assez bien servi. Hein. Donc normalement, ça devrait pas trop poser de problème. Je pense que je vais tenter de cloner un repo Git. On va aller voir ça, tiens. Allez, Ansible role. Il y aura peut-être un truc dans Ansible Galaxy. Ah bah tiens. Comme par hasard. On avait déjà parlé de lui, hein, de Jeff Geerling. Alors, voyons voir ça. S'il veut bien répondre. Pourquoi il ne répond pas? Il y a des soucis avec GitHub? Non. Attends, j'ai pu commiter il y a un instant. Ah non, tiens. GitHub est tombé? Non. Quand même pas. Ah non, non, non. Pop, 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 pop. Je suis toujours en live ou pas? Je commence à me poser des questions. Hein, a priori le live tourne. Ouais, maintenant je suis assez d'accord, il est top, Jeff. Ah, donc pour toi, il y a des soucis sur GitHub, Vanston. Alors, pourtant, j'avais fait un refresh sur un autre laptop, ça marche. Enfin, j'ai une machine, là, j'ai une machine pour faire guise de retour vidéo par précaution pour voir ce que ça donne si jamais justement j'ai des soucis de stream. Et non, non, j'arrive à accéder à GitHub depuis cette machine. Ah, c'est revenu. Hop. C'est juste parfois là. Non, peut-être pas un problème de clé SSH, purement la partie web. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça installe Git. Ouais, ok, soit. Role variable workspace, Git enable repo. Non, moi je veux juste récupérer un. Tiens, on va aller tout de suite voir dans son répertoire molécule. Source install. Ah, il propose même une install de source. Ok. Ouais. Pop-pop-pop-pom. Pop-pop-pom. Je suis pas sûr qu'en fait c'est ce dont j'ai besoin. Non, je pense pas que ce soit ce dont j'ai besoin. Moi, ce que je veux, c'est cloner un repo Git. Voilà. Linux Handbook. Hop. Comment on clone? Ah bah, il y a un module liquide. Ok. Donc on a juste à faire ça. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aurait moyen de lui dire clone-moi un certain niveau de commit, à une certaine branche, un. Tout, 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 tout. Même si dans mon cas de figure, je vais vouloir cloner la branche main. Et alors dans ce cas-là, ce que je propose, c'est que on va aller mettre en commentaire le démo template. Tiens, si je le mets à false, normalement j'ai pas besoin de tout dégager. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est task. Hop. On va aller ici. On va se le mettre ici. Hop. Et le nom, ça va être clone HP repo. Ensuite, et on fait git deux points, si j'ai bien saisi. Alors, je vais vous poster ça quand même. Ça peut servir. Hop là. Ici et bien entendu dans les liens du live. Hop là. Alors, donc une fois que j'ai pu.
Alors, voyons voir ça. Donc il me dit git, ouais, ok, et ensuite je fais repo. Donc je vais utiliser mon repo, de mon site web, hein, de ma page d'accueil. Si je remets la main dessus, bien entendu, ça devrait pas être trop difficile. Hop, le voilà. Et non, c'est pas lui. Hop, repo. Est-ce que j'aurais pas oublié un tiret par hasard? Qu'est-ce qu'elle dit la documentation? Non, git, repo, comme ça, dest. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre ça dans, var 3whtml. Remarque, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, puisque en fait, le contenu de mon site est dans un sous-répertoire. Je vais... Hop, je vais vous montrer ça. Si je viens ici, et que je vous montre donc le repo de mon site, on voit que j'ai un répertoire content. Donc en fait, c'est plutôt ce répertoire-là que je vais vouloir mettre. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais le mettre dans var 3w. Hop. Et une fois que je l'aurai mis dans slash var slash 3w, ce que je peux faire, c'est faire un clone, effectivement. Yes, et update, on sait jamais. Update, yes. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, ce que je vais vouloir faire, je pense, c'est que le contenu de mon repo, vu que comme j'ai dit que c'était slash content, alors j'ai deux possibilités. Soit je décide d'appliquer le contenu du makefile. Et le contenu du makefile, il a de quoi mettre, il a de quoi faire un genre un rsync, ouais bon, les dep, UI compressor, tout ça. Donc ça m'enquiquine un peu de mettre des trucs du genre faire voilà, mkdir rsync le contenu où j'ai un truc publish en utilisant UI compressor et un minifier HTML, vu que là l'idée c'est juste de profiter de la partie web qui est dispo directement dans le répertoire content, en fait, qui est fonctionnel. Je vais juste faire un lien symbolique du truc content. Ça, après, il y a, j'ai envie de dire, ma sauce interne. donc, eh ben, on va regarder comment dans Ansible on fait un lien symbolique. Je pense que ça va être ultra compliqué. Hop. Donc. Et donc, a priori, pour créer un symlink. Alors. Bah, y a de la doc, en fait. Ah, tu viens de tester Vanstone. Ah, bah c'est cool alors, faire un bot Twitch. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il va ensuite se connecter sur Discord pour aller poster les liens? Alors, a priori, on a un truc dans les Ansible, les built-in modules. Voilà, pass to symlink. Bon, bah écoute, on va passer... hein. Hop. Copier. Tu peux ajouter un webhook sur Discord en 2 minutes. C'est la classe, hein. C'est la classe. Hop. C'est génial, ça. Merci d'avoir regardé, Vanstone. Alors. Hop, ici. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est... Manon. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais vouloir améliorer
le code Ansible que j'avais la fois dernière en voulant mettre une arborescence web depuis un repo Git. Donc je me sers de mon... De mon repo Git, tu sais, de ma page d'accueil, où il y a mes liens, les liens vers les vers la plupart de mes de ma présence sur le net. Et là, ce que je veux faire, c'est hop, voilà. Donc, je veux utiliser cette page d'accueil comme comme contenu sur sur le serveur Nginx que j'ai en Ansible. Et name, et ben écoute, symlink hp repo tout, on va dire document root, même si je me doute que location, root, bon allez, je sais, c'est comme quand je dis virtualhost pour du Nginx, bon c'est pas ça, mais on comprend quoi. Source, file to link to. Et ben file to link to, ce sera /var www.anotherhomepage.org /content. Et ce sera dans var www.html. Par contre, le souci, c'est que le var www.html doit déjà exister. Donc, ce que je vais sans doute vouloir dire, c'est est-ce que je peux forcer ? Est-ce que je peux forcer ? Genre, vas-y, si ça existe déjà, tu dégages le truc. Parce que là, je pense que si je le fais, je vais le faire quand même pour le principe. Je vais le réappliquer et je pense qu'il va m'envoyer bouler. Il va m'envoyer bouler, il va me dire, eh, au fait, var 3whtml, il existe déjà. Alors... 2, ça c'est la machine. Ici, hop, et on repart. Alors, on va pas faire un check diff. Hop, voilà. Donc là, de toute façon, il va commencer par redérouler les trucs de d'habitude. Mais ça, il les a déjà fait. Donc jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Alors. Oui, là, HTTP. Nanana, ok. Nginx is running. Ok. Donc là. Voilà. Et là, il fail. Fail to find required. Ah, required. Ok. D'accord. Donc là, déjà, il n'y a même pas guide d'installer. Donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va aller. On va aller ici. Et puis, hop, ce qu'on va faire, c'est en faire un name, en faire install, hop, software, dependencies. Et on va rajouter, comment est-ce qu'on installe un package? Comment est-ce qu'on se dit, je veux que tel package soit installé dans Ansible? Alors, j'ai envie de dire, il doit y avoir, alors soit je le cherche sur internet et je vais tomber sur la doc, soit je le cherche directement dans la doc. Je vais tenter ici, tiens, allez, Ansible, install, package, on va dire apt, mais je crois qu'il y a un truc qui est, il y a un built-in apt, mais je me demande s'il n'y a pas un module package qui est un peu plus, comment dire, qui est un peu plus, parce que là, oui, effectivement, il le dit directement en apt, mais moi, je voudrais que ce soit un peu plus, comment dire, que ce soit un peu plus agnostique par rapport au système d'exploitation. Et install package, hop, installing software and other package. Ah, c'est quoi ce site? Ansible tips and tricks. Ok. Et donc action. Ouais, mais non. Ansible package mag. Pourquoi il fait ça? Apt repository. Ouais, je comprends. J'ai jamais vu ça. J'avais fait de l'installation de package, mais...
DNF, ouais, ok. Alors attendez, parce que je sais que moi j'ai. Je vous avais dit ça normalement dans les vidéos précédentes, j'avais déjà fait un peu d'Ansible par le passé. Et si je vais dans ce qu'on va dire mes anti-sèches. Ouais, c'est ça. C'est ça, en gros, là j'ai name et je fais juste package. En tout cas, à l'époque, c'est ce que j'avais. Donc package, et puis name, je peux faire comme ça, name égale. Alors, on va les regarder ici si je fais un sudo apt search git. Il va me balancer plein de trucs. Parce que je sais que des fois, il y a des trucs genre git base, git core. Donc, je veux juste le binaire git, je veux pas installer 25 dépendances. Donc, il y a un git tout court. Git, je vois pas de git base, je vois pas de git core. Gitman. Ok, donc a priori, si je fais ça. Voilà, c'est ça, il m'installe quand même. Ouais, non, patch, Perl, ouais, non, ok, ça va, ça va. Donc, à la limite, git. Ouais, dans les packages suggérés, effectivement. Eh, mais attends, mais cette fois-ci, il a bougé. Mais je voulais pas que tu bouges. Ah là là. Ce soir, mon terminal a décidé de me troller. Hop, je vais quand même copier-coller le lien de Vanstone. Parce que la doc d'Ansible, c'est quand même sympa. Oui, voilà. Générique OS Package Manager. On est d'accord. Et il gère normalement la plupart des distribs et des trucs connus, quoi. Ah, mais d'accord, mais en plus, il me l'a mis en. Ah, oh, punaise, je te jure. Il me l'a mis. Il peut pas me le remettre là? Ah, oh là là. Alors, bon, on va recommencer. Hein. Hop. Ici. Le problème avec les trucs un petit peu fantaisistes comme ça. Hop. On va le remettre là. Puis on va se reconnecter sur la VM. Hein. C'était quoi son IP? Hop. Hop. Voilà. Allez. Donc, me revoici. 2, 3. Voilà. Donc, package name égale git. Hop, j'ai dit git. Voilà. Et ensuite, on peut faire un state égale présent, si je me rappelle bien. Ouais, state égale present. Donc on peut même des fois dire, eh, vas-y, désinstalle d'autres logiciels. Est-ce que j'ai d'autres trucs qui peuvent être intéressants? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant du côté de check mode, diff. Parce qu'en gros, ouais, c'est ça, c'est name. Default package, required package to move, ok. Ouais, donc on peut même essayer de faire des ifs du genre, bah, si le package manager c'est tel package manager, on installe tel package ou un autre. Comme ça permet, par exemple typiquement Apache, dans Debian il s'appelle Apache 2, sur Fedora il s'appelle HTTPD. Donc on a quand même moyen de jouer un petit peu avec ça et de pouvoir dire, et au fait, on peut même, voilà, fonction du bon mais a priori on a attribute action full async full check mode diff mode plateforme, ok. Donc state présent ou absent, you can use other state like latest only if they are supported by an underlying package module exécute. Ouais, d'accord, très bien. Bon, et ben maintenant que ça c'est fait, on sauvegarde, on revient ici et on recommence.
Ben, en fait, ce que je disais, Manon, c'est que selon les distributions Linux, le nom du package qui fournit le serveur web Apache peut être différent. Donc, je pense qu'en fait, il faut préciser selon le package manager que tu as, faut que tu fasses un if, faut que tu fasses un if quelque part, enfin un if, faut que tu fasses une condition. Selon la distrib, tu installes tel nom du package. Mais si ça se trouve, enfin dans le cas d'Apache, je pense qu'à mon avis, le rôle Apache, entre guillemets, maintenu par la communauté, il doit gérer ça. Il doit, voilà, un truc du genre. Alors, tiens, il a fail. Je crois que ça, c'est l'erreur qu'on attendait à la base. Parce que si je remonte. Ouais, remarque, si je remonte, ça va être. Hop. Attends, j'avais vu du rouge. Donc ça, c'était fait 1, ok. Donc maintenant, il a fait quoi? Gathering, install software dependencies, il a donc installé Nginx. Enfin, pas Nginx, pardon. Il a installé Git. Ok. Donc tout va bien. Ensuite, on redescend. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Git clone moment origin. Ah non, ça, il n'a pas voulu. Il existe. Ah bah oui. Bah oui. Ok. Ah, il faut que je lui dise var 3w anotherhomepage.org, je pense. Hop. Non, pas un problème de clé SSH. C'est juste que. Hop. Voilà. Et à mon avis, ça devrait être comme ça. On va retenter. Allez. Tu vas la sortir à chaque problème. Bon, bah écoute, ça peut être drôle. Ça peut faire partie du folklore de la chaîne. Quand il y a un problème, Manon demande s'il y a un problème de clé SSH. Moi, ça me va. Un jour ou l'autre, tu auras raison. Alors, c'est l'erreur numéro 1 chez tes devs quand ils te disent que ça marche pas. Quand ça marche pas, GitLab. Ah, ok. Alors. Refusing to convert from directory. Voilà, ça c'est l'erreur que j'attendais. Ça c'est l'erreur que j'attendais. Maintenant, ce que je voudrais quand même vérifier, c'est var 3w. Ok, nickel. Donc, il clone directement dans le répertoire. C'est bon à savoir ça. C'est en gros, on lui dit la destination du truc complet. Enfin, en gros, la racine du repo, c'est le dernier répertoire. Et donc ensuite, eh ben, on a le contenu. Ah oui, tricolon. Allez, hop. HLARR. Voilà. Et donc, j'ai bien mon répertoire content avec tout son contenu et le truc Git. Ok. Hop là. C'est comme le deuxième argument de Git. Ouais, d'accord. Merci du tuyau, Vanstone. Git clone étoile. Ok. Donc, maintenant, j'ai encore. Bon, voilà. Ça, c'est l'erreur que je voulais voir. C'est celle que j'attendais à la base. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit refusing to convert from directory to symlink. Donc, j'ai deux possibilités. Deux possibilités. La première, c'est je trouve. Je dis. Alors, la première possibilité que je vois, c'est trouver un moyen de dire à Ansible quand je fais le symlink. C'est l'équivalent du ln, je dirais ln moins ce que j'ai, c'est le ln moins snvf. En gop, pop, 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 le voilà, le moins force. Remove existing destination file. C'est goré, mais c'est pas mal. Ça ferait le job. Et pour moi, je pense que ça c'est pas bête, non? Enfin bref. Et il y a une autre solution qui est de dire, eh ben, je veux d'abord m'assurer que le répertoire var 3w.html n'existe pas. Je dis pas je veux l'effacer. Je dis je veux qu'il n'existe pas. Donc.
Alors, si on va regarder dans voilà, Manage File and Properties. Link, Symlink, un truc. Set attribute orphelin, ok, access time, qu'est-ce qu'on a? Attribute, follow. Ok. Force. Ah ben c'est très bien. Forcer la création de Symlink dans deux cas de figure. Le source file n'existe pas, mais il va apparaître plus tard, ou alors il existe et c'est un fichier. Ah. Ah. Peut-être que là, il va pas être content. On va faire un force égal yes, mais je pense que ça va pas suffire. Le moins de lignes, toujours. May the moins F be with you. Oh, merci, Manon. Allez, on va tenter un force yes. Hop, allez, c'est reparti pour un tour. Non, pas le man. Alors, roulement de tambour. Est-ce que ça va faire des. Est-ce que ça va faire des étincelles? Je pensais à dire, est-ce que ça va faire autre chose? Une marque de. Une marque bien connue de céréales pour enfants, mais. Mais j'ai pas envie de le faire de la pub. Alors. Et non, il veut pas. Il veut pas. Parce que le répertoire va retrouver le HTML. Alors, je vais retenter un truc, tiens. Je vais revenir ici. Ah, mais non, par défaut, le var 3w.html, il est peuplé, vu qu'il y a un index Nginx Debian dedans. Donc, il va falloir que je dise, vas-y, vas-y, vire-moi var 3w.html. Je suis pas ravi, ravi. Mais bon. Essaye de split ta conf dans plusieurs sous-fichiers pour pouvoir tester plus rapidement tes segments. Ah, tu voudrais que je, du coup, que je lance que un. Ah, ouais. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Mais ensuite. Ensuite, il va falloir qu'ils s'appellent les uns les autres. On pourrait du coup gérer l'histoire de dépendance. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Tu verrais ça comment, Winston? Genre, je fais un premier qui est juste rapido, qui dit les software dependencies, enfin les, donc d'installer les logiciels de base. Ensuite, j'en fais un juste pour installer Nginx. Et j'en fais un pour le. Là, ça va encore, mais sur certains de mes serveurs, un run Ansible, ça peut prendre une heure. Ah oui. Ah oui. Oui, là, c'est vrai qu'on a de la chance, c'est à peu près court. Mais je me demande. Donc le force, bah, de toute façon, le force, on va le dégager. Et il va falloir lui dire. Et au fait. Update, install, minimal tools app, download data, setup, restart. Oui, ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Mais dans un premier temps, si je lui dis. Alors, Ansible built-in file. Il a un truc genre absent ou pas? Je vais d'abord résoudre ça et puis après on pourra passer au. À découper ça co correctement, proprement. Ça peut être une bonne idée. Ouais, il y a un state absent directory file hard link touch. Ok. Donc, directories will be recursively deleted. Oui! C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc.
Hop, on ramène ça. Et on lui dit src var 3w html. HTML. Et on lui dit state de point. J'ai dit state de point absent. Voilà. Allez, on va voir si ça passe. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu dommage là. Et en fait, il va repartir, il va revérifier tout. Et oui, effectivement, c'est un peu dommage. On attend, on perd du temps en fait quelque part. Je comprends parfaitement. Après, j'ai vu que dans des rôles Nginx, bah, comme celui de Nginx, dans des rôles du coup Ansible, pardon, tu as des fois les... Comment ça? Message missing required document pass. Ah, c'est pas SRC. Putain. Eh bah écoute, on va changer. Oui, voilà, pour ce genre de bidule là, effectivement, ça devient un peu ennuyeux d'avoir à repartir. Mais je crois que tu peux relancer à partir uniquement d'une task précise. Ansible playbook run start specific task. De mémoire, il y a moyen. Ouais, only one task, bon. Et en fait, on peut lui dire moins tags DNS config. Ah, faut mettre des tags. Ok. Hey, c'est passé. Change 2. Donc là, normalement, maintenant, si je reviens sur ma machine qui est là, on va faire ça. Et là, on voit bien que j'ai mon lien symbolique. Ok, c'est cool. Et j'ai mon contenu. Ok, donc là, je peux revenir sur... Vous vous rappelez tout à l'heure mon serveur avec le truc de base, là. Donc là, si je refresh, voilà, j'ai le contenu de ma page d'accueil. Alors la question que je me pose, est-ce que j'avais fait des liens Non, j'avais fait des liens... Le lien vers le title, vers la CSS, c'est des liens relatifs. Donc on est bon. On est bon. Mais voilà, c'est cool. Au moins j'ai pu déployer, entre guillemets, une appli web de façon automatisée. Là, en gros, à partir du moment où j'ai mon... À partir du moment où j'ai mon compte GCP qui est créé, sur ce repo, une fois que j'ai mis en place l'adresse IP et la partie authentification chez GCP, en deux commandes, juste deux commandes, je suis capable de déployer mon site. Ici, non, Venstan qui demande si c'est différent des coupes. Non, tu en as davantage pour les backups restore, les dépendances entre les services, les dockers, etc. C'est une bonne grosse machine, mais bien organisée. Ah ouais. Ok. Alors, j'avais cru voir un truc. Ça pourrait être une idée de... Alors, déjà, je vais peut-être commiter tout ça. Voilà. Là, grosso modo, je vais peut-être même virer ça, en fait. Je vais virer ça. Et éventuellement, je vais essayer de mettre un truc ici qui soit un petit peu plus... comment dire? Un petit peu plus... un petit peu plus... Ouais, je pourrais peut-être mettre un var 3w HTML, carrément. Comme ça, c'est générique. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans ce repo, c'est de rester générique. Idéalement même, et malheureusement, j'ai fait des tests et ça n'a pas été très fonctionnel, j'ai voulu faire en sorte que le truc soit aussi agnostique en termes de distrib. Parce que donc vous savez qu'aujourd'hui, dans mon repo, la partie Terraform, il y a un fichier d'exemple avec des variables. Mais en fait,
Si vous essayez de déployer autre chose que qu'une Debian, et j'ai essayé avec une Fedora, parce que bon, vous savez que je suis un peu fanboy Fedora Red Hat, ben, le truc, c'est que ça marchait pas. Ça marchait pas. Je sais pas pourquoi, mais en fait, la partie, je crois qu'il il mettait un temps fou, je crois, à mettre ma clé, ou alors il la mettait pas, la clé SSH. Et du coup, la partie, le script qui permettait de récupérer le disque secondaire ne fonctionnait pas non plus. C'est un peu dommage. Alors après, je sais que on avait un parmi les gens qui regardaient à ce moment-là, on avait Dashi qui avait dit ah oui mais ton petit script qui fait du qui fait comment dire qui fait un fdisk et qui crée le file system, il vaudrait mieux le faire en Ansible. Donc ça pourrait être une idée de le faire aussi en Ansible. Donc, tout ça pour dire que, dans l'immédiat, je pense que je vais retirer cette partie-là. Et on va essayer d'avoir un truc un peu plus agnostique. Comme ça, des gens pourront cloner leur repo à la place. Et je ne sais pas s'il y a un système de variables un petit peu plus avancé. Et de dire, au fait, par défaut, le repo, c'est ça, mais on peut le surcharger. Alors... Donc le créer custom index page. Ouais, bah je vais le supprimer. Allez. Hop. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Ensuite. Là, on va mettre var 3w. On va mettre var 3w repo. Et ici, on va mettre hop, repo. Voilà. Voilà. Donc là, on a juste ça. Et est-ce qu'on peut... Comment on joue avec les variables dans Ansible? Using variable. Remote install path. Ok. Ah oui. Et ça. D'accord. Donc en gros, ce que je peux faire alors... c'est je peux aller ici au début et lui dire hop, on va se mettre là tranquillou et on va lui dire remote content repo hop. Voilà. Et ensuite, ici, on pourra lui dire que c'est... remote content repo. Donc, normalement, si je recommence ici, il devrait me dire, au fait... ah, non, il manque un truc. Ah, oui. Alors... donc je me suis trompé. Ah oui, il manque des côtes. Ok, il manque des côtes. Voilà.
Non, toujours pas? First engine. Ah. Ah, faut peut-être que j'aille. Faut peut-être que j'aille mettre ça ailleurs. Dans quelle partie est-ce que je peux le mettre? Ils disent s'il y a un truc. When to quote. Ah, bah oui. Comment coter les variables? Ok. Dictionary variable. Ok. Registering variable. Host. Task. Je pense que le plat préféré des geeks, c'est l'entrecôte. Magnifique, Manon. Magnifique. Ah, faut vraiment que je mette cette cymbale. Parce que là, franchement, ça le mérite. Et l'entre... Ou l'entrecôte. Magnifique. Ah, peut-être que je fais un vars comme ça. Host. Ah, mais là, j'ai un... j'ai pas de host. Si, j'ai host fou. Ah, faut que je fasse un var. Ouais, ok. Donc, faut que je fasse ici, en fait. Vars, deux points, comme ça. Et dans mes vars, je le mets comme ça. Voilà. Hop. Ouais, ça a l'air mieux. Alors je sais que je peux pas pour des raisons de copyright, mais des fois, après ce titre-là, il y a des fois je me mettrais bien un Riders on the Storm, de soit la version des Doors, soit la version rap, qui est pas mal aussi. Mais pour des raisons de copyright, je ne le ferai pas. Ça a l'air plutôt pas mal. Et si je reviens ici et que je regarde ici, de toute façon je rafraîchis comme il faut la page et oui, on est bon. On est bon. C'est nickel ça, c'est parfait. Donc là, je suis à peu près. Je suis à peu près bon. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est revenir ici, faire un petit git status. Donc j'ai juste le Nginx. Dig. Hop, donc là, j'ai ça qui dégage. Et... Ok, donc... Et qu'est-ce qu'on va lui mettre comme message de commit? On va lui dire... Hop, populate doc populate root with remote git content with remote content. Hop, voilà. Voilà, comme ça. Déjà dans un premier temps, ça c'est pas mal. Ensuite, on va peut-être essayer de découper le truc. Parce que ça m'avait l'air d'être une bonne idée de Venstone. Alors je sais que idéalement dans les rôles, on peut faire des. On peut avoir une arborescence un petit peu plus complète. Hein, c'est-à-dire que idéalement. Donc là je suis directement dans mon. J'ai mon nginx.yaml. Mais ce que je pourrais peut-être faire, c'est faire un mkdir, on va dire, on faire un. Je sais pas moi, un custom. On va faire un mkdir, je sais pas moi, web server par exemple. Web server. Et dedans, de ce que j'ai vu, il est possible de faire, de faire une arborescence type. Hop. Donc j'avais vu justement les variables, les tasks. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme, comme exemple hop. Notamment justement les histoires de restart, parce que là pour le moment on fait pas de restart. Donc on a potentiellement, si on veut mettre des fichiers nous-mêmes, on peut. Donc files, les handlers, qui en fait vont permettre de justement de gérer les restarts de service.
donc les tasks qui vont faire bah, ce qu'on fait. Quand on a besoin même, il y a des templates. Et donc les var. Hop là. Les handlers, Manon, c'est justement là où tu vas mettre les restarts de service. Alors je peux te montrer par exemple, j'ai un exemple là. Hop. Oula, non. Voilà. Là par exemple, j'avais fait un truc sur un rôle type common de mon côté. Où j'avais dit, s'il y a besoin de restart, NTPD, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et après, tu peux dans tes tasks, tu peux dire, hey, au fait, je suis un cat task main.yaml. Voilà, tu as un notify par exemple ici. J'ai un notify pour restart le syslog en dessous. Donc je lui dis, au fait, tu l'as enable et en notify, tu le restart. Voili, voilou. Hop. Donc, ce qu'on peut envisager, c'est faire un petit déplacer. On va déplacer ça de façon stratégique. Au boulot, on a mis en place un restart des services car on a des programmes qui ont des fuites de mémoire. Ça peut servir à ça. Non. Non, dans ce cas-là, ton restart de programme, ce que tu vas faire... C'est plutôt mettre un restart de programme dans un cron job. Mais tu peux déployer ton cron job via Ansible. Hop. Le principe, ce serait plutôt de dire que, en fait, le handler, il est là pour... Bah, par exemple, quand tu modifies une conf Nginx, bah, typiquement là... Ce que devrait faire, alors à moins qu'il l'ait déjà mis en place dans le rôle, mais là tu vois, je définis une conf Nginx. Normalement, après avoir défini cette conf, pour qu'elle soit appliquée, il faut relancer Nginx. Et bien, c'est typiquement la fonction d'un handler de gérer ce restart après la modif de conf. Bah justement, pour prise en compte, il faut reload et le handler est là pour reload. Pour reload ou pour lancer tout court. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ça ici. Et on va faire un petit mv du nginx.yaml en webserver.yaml. Le mail était en trop. Pas de soucis, Manon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit touch de web server task main.yml. Et pareil pour le... Alors, le handler, je ne sais pas si on va s'en servir, mais on va se servir des var, des variables. Et puis, on va se servir très probablement... Files, je pense pas qu'on va s'en servir. Et template, je pense pas non plus. Donc déjà dans un premier temps, alors le web server.yaml, le web server, donc on a dit les tasks et web server, j'ai dit variable main.yaml. Voilà. Donc ce que je vais vouloir faire ensuite, c'est que ce qu'on peut tenter de faire, c'est de dire, on va dégager ça, tiens, allez, hop, non, on va pas le dégager tout de suite. Hop, parce que j'ai oublié ici, là, voilà, mieux. Alors,
ce qu'on va pouvoir faire. Donc maintenant, je vais pouvoir le dégager. Donc là, je suis dans le web server task. Là, je suis dans web server variable. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Et ce que je vais lui dire, c'est... Voilà. Toute la partie task. Il va falloir mettre tout ça ici. Hop. Alors du coup, on n'a pas besoin de faire un task. Voilà. Sauf que je sais plus comment on fait joujou avec les la partie indentation dans Vim. Alors je pourrais tout y aller à la main, mais alors, normalement, si je fais ça, et que je fais ça, c'est bien ça? Voilà. Et on revient encore une fois. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. J'adore VI. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer et alors là j'ai les software deps. Ok. Là j'ai la variable. Sauf que là ensuite il me reste plus grand chose en fait. Donc, et je crois que de mémoire, il faut rajouter un truc genre les hosts et il faut peut-être rajouter le rôle, je crois. Comme un doute. Je crois même que celui-là, on va peut-être le laisser comme ça. Non, faut faire un... Hey, salut Kazé! Tu tombes au pile au moment où j'ai un petit trou de mémoire. Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver ça? Non. Hop. Si. Si, 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 ça y est, je l'ai retrouvé. Donc. Host, ok. Et là, en fait, faut que je mette role. Comme ça. Et je mets role de point et on va dire web server. Voilà. Petite aide générale, ce qui vient après fou, c'est barre. sauf qu'en fait, faut que je fasse un mkdir role de mémoire. En tout cas de mon anti-sèche.
Hop là. Nv role dans web server. Nv web server dans role. Hop. Ensuite. Web server. Alors. Task main.yaml et role web server task. Non, pas task, du coup, vars main.yaml. Voilà, donc là je les ai. Normalement, si je fais ça, en toute logique, je devrais pas avoir de changement. En toute logique. Mais on sait que. On peut avoir des blagues. Ça, c'est plutôt bon signe si ça se lance. Manon qui plaint les étudiants quand ils auront des interros de DevOps à faire sur papier à l'université. Oui, effectivement. Et ensuite, je pense que je vais changer le nom fou. Je vais le remplacer pour avoir un nom de machine un petit peu plus propre. Genre, on va l'appeler 3W1, un truc comme ça. Ok, nickel. Alors, il y a deux choses qui ont changé. Ah oui. Eh oui, fatalement. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il va voir un répertoire, ou un fichier ou un lien symbolique /var/3w/html, il va le supprimer et il va refaire le symlink. Manon qui propose Fuzzy en nom de machine, c'est le nom de l'IA dans un roman. Ah. Ouais, mais là, tu... Alors, honnêtement, ça peut être marrant sur certains autres trucs. Effectivement. Je serais plus tenté de vouloir avoir un truc qui soit vraiment... vraiment pas... justement, pas sympathique. Enfin, juste un truc de base. La nuit des enfants rois. Je connais pas du tout. Donc là... ce que je peux faire, c'est faire un git, enfin un petit git rm nginx.yml. Et on fait un git add web server et role. Voilà. Et on va committer tout ça. Hop. Et on va lui dire, tu vas te servir de Docker comme générateur aléatoire de nom. Tu le fais un Docker et tu chopes le nom aléatoire. Oui, c'est marrant aussi. Bah, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait pour ce repo. Enfin, hein. Je ne l'ai pas fait avec Docker, mais en fait, quand on n'a pas d'idée pour un nom de dépôt sur GitHub, il a un générateur de nom qui doit ressembler à celui de Docker et qui propose des trucs. C'est pour ça que là, ce repo s'appelle Jubilant Octotribal. Parce que je me suis dit, quitte à avoir un nom, enfin, parce que honnêtement, ce que j'allais faire, c'est que j'allais l'appeler genre démo Terraform, et puis deux jours plus tard, je me suis dit, ah ouais, mais si je veux rajouter de l'Ansible dedans, ça peut être sympa, et je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être l'appeler un nom, ou au moins, il n'y a pas écrit, genre démo, il n'y a pas écrit GCP, il n'y a pas écrit, Terraform. Parce que si en plus, genre, je décide, je sais pas moi, demain, de faire du Puppet, du Salt à la place de Ansible pour ma démo, bah, ce serait dommage, quoi. Donc, Ansible, alors, move playbook from single file to role. Hop. Tac, voilà. Donc c'est pas super propre c'est finalement cette histoire là de dégager le HTML et ensuite de faire un repo. À la limite, ce qui aurait peut-être été plus intelligent, ça aurait été de gérer avec des variables. L'emplacement du document root. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
C'est qu'en gros, à la limite, là, le document de route, hop, qui est ici, là, j'ai mis var 3WHTML parce que c'est le répertoire par défaut. Mais je pourrais envisager de remplacer par autre chose. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire un var 3W. Alors déjà ici, je réécris le... Ah, je peux peut-être l'appeler comme ça, var 3W default. Et ici, je le mets... Alors le problème, c'est que s'il existe... Ah ouais. Donc en fait, il faudrait limite que je clone mon repo d'abord. Je clone mon repo d'abord et ensuite je rajoute le... Hop là, on vient ici et on fait ça. On vient mettre ça ici. Ah non, bah du coup, il faut au moins ça avant. Ah, punaise. Il faut mettre les choses dans le bon ordre, hein. Là, voilà. Donc d'abord, les dépendances logicielles. Oui, oui, Kazé, j'ai fini par le voir. Et ensuite, mon histoire de Symlink. Mon histoire de Symlink qui vient là. Donc si je décide de pas faire un symlink, je pourrais envisager d'avoir un Merci le stream lag. Ouais, non mais je ça m'arrive aussi d'avoir des lags. Par exemple, quand je regarde les streams de Yorzian, j'ai remarqué un truc dingue. C'est que j'ai beaucoup plus de lag depuis ma box que depuis mon téléphone ou un ordinateur. Donc des fois le stream lag, c'est pas une question de réseau. Des fois peut-être c'est l'appareil qui selon le type d'appareil qui gère pas très bien l'appli. Je suspecte que sur ma box opérateur l'appli Twitch soit pas forcément très très bien optimisée. Bref, pour en revenir à mon histoire, ce que je suis en train de me dire, donc si je veux variabiliser l'emplacement du document de route, il va falloir que j'ai un truc. On va faire un create document de route. Hop. Et la création du document de route. Hop. Et on va lui dire présent. Directory. C'était comment déjà dans la doc Ansible? Paf. Ça c'est quoi? Apt. Non. File module. Voilà. Et le file module, quand on veut faire un répertoire. Il va nous dire. Il va nous dire. j'aime bien le give insecure permissions to an existing file. Hop là, directory. Create a directory if it does not exist. Ok, state directory mode 0755, ça c'est une bonne idée. Et puis on va lui dire qu'il appartient owner.
On va dire root et group. On va dire root aussi. Alors, remarque, on peut peut-être mettre 3wdata. Hop. Histoire d'éviter les... des choses. Hop. Alors, pour le symlink, tu peux check s'il existe avant avec un setFact pour ne changer que s'il n'existe pas et ne pas avoir ton change d'à chaque fois. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais... au-delà du fait que je ne le savais pas... Est-ce que ça poserait... Parce que remarque, à la limite, si on met tout dans var 3whtml, au moins on est tranquille. C'est intéressant là, Kazé. Je réfléchis. C'est pas facile. C'est pas facile. Le set fact. Comment on pourrait le faire ça? Voyons voir ça. Ce qui nous dit set host variable and fact. En fait, c'est qu'il y a certains rôles, genre shell, qui ne sont jamais idempotents, car ils réappliquent quelle que soit la conf avant. Les setfax ou registers peuvent aider. Ok. Ça pourrait être effectivement une bonne idée. Ouais, donc en fait, je pourrais faire un petit truc, genre, est-ce que c'est un symlink? Ouais, comme tu le dis. Si c'est un symlink... Et à ce moment-là... Si c'est un symlink, ne pas le toucher. Tiens, c'est marrant, l'auteur, c'est Daguirs. Idem potent qui ne change pas à la seconde passe. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Effectivement, c'est probablement ça. Potens, le latin. Ça fait longtemps que j'ai pas... J'ai pas vu des trucs en latin. Je pense que mes profs de latin seraient un peu déçus. Je pense que je suis même plus capable de réciter une déclinaison quelle qu'elle soit. Donc, a priori, on peut faire un name avec un set fact. Mais la question, c'est ensuite comment je mets le truc. Comment je mets le truc pour que il soit. Pour que le var 3whtml soit un symlink. Sinon, au pire, on regardera du côté du changed when false. Ouais, mais alors la problématique qu'il y a à ce moment-là, c'est que le symlink, oui, effectivement, c'est plus sale, mais
Parce que en gros, donc là j'ai mes software dependencies. Bon, le create document root de toute façon, à part le fait qu'il appartient à root, normalement, hop. Symlink, pop 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 pom. Et donc à un moment, on va falloir faire un petit clean. Enfin, le clean, c'est seulement si. Ah bah non, ouais, le document root, on va le. Effectivement, on va pas forcément le créer. Et donc à la base, je voulais faire le symlink, il est là. Donc ça. Et donc là, si on dit state absent, ça c'est le truc de base que j'ai. Ça c'est le truc de base que j'ai. Le built-in doit gérer. Alors, Kazé, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le cas du lien symbolique, on a essayé de jouer avec l'argument, enfin avec l'option force, sauf que l'option force ne fonctionne que si le répertoire est vide. Or, par défaut dans Debian, quand tu installes le serveur web Nginx, tu as un var 3w avec un var 3w HTML avec un contenu dedans. T'as un index.html.debian, un truc comme ça. Donc à partir de là. Alors l'autre possibilité que j'ai, qui est qui pourrait être. Je suis pas sûr que ce soit forcément idempotent. Mais je vais le dire quand même, c'est qu'au lieu de faire un lien symbolique, j'ai mon répertoire var 3w repo content, et je dis le contenu de ce répertoire, tu le synchronises dans var 3w HTML. Genre, alors je vais pas dire tu fais un rsync, mais je voudrais une synchronisation des répertoires, et que cette synchronisation soit destructive. Mais je sais pas si ce serait vraiment idempotent. Ansible POSIX Synchronize. A wrapper on rsync to make common tasks in your playbooks quick and easy. Alors est-ce que le truc est en avant-première? Non, non. Ça a un plugin action. Ok. Alors j'ai pas vu les options. Il y a un rsync pass, rsync timeout, rsync opt. Specify additional rsync option by passing in array. Donc à ce moment-là, dans les options, on peut lui dire moins moins delete, hein. Je sais pas s'il le propose. Ah bah non, mais il y a un delete yes carrément. Il y a un delete yes et un recursive yes. C'est très bien ça en fait. C'est très bien ça. On va le faire comme ça dans ce cas-là. Donc lui, il va être présent finalement. Alors. Voilà. Symlink, bah, ce sera pas un symlink finalement. On a le repo qui est cloné. Hop, alors. Tac, source, et ben le source var 3w repo et dest var 3w html. Hop, delete yes, recursive yes. Et le symlink, du coup, on s'en moque.
Hop. Alors, je sais pas si c'est forcément très propre, mais... Mais a priori, ça pourrait passer. Voilà. Et on pourrait même aller plus loin après, parce que là, je commence à utiliser des var 3whtml, var 3wrepo un peu partout. Je pourrais envisager de variabiliser tout ça aussi. Donc déjà, on va relancer ce bignou-là. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, il en veut pas. Alors, offending line, ligne 19, colonne 3. 19, colonne 3. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Hop. Il dit quoi? Ansible POSIX synchronize. Ah. Donc a priori... Soit je l'ai pas. Ce qui est possible. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a moyen de l'installer ce bignou? The official documentation on the copy module. Collection in the Ansible namespace. Community version of Ansible documentation. Ouais. Alors est-ce que... Parce que j'ai Ansible Collection, Ansible... Ansible POSIX, voilà. Alors, roulement de tambour, est-ce que cette fois-ci... Ok, il clone. Il gère le document root. Failed. Value absent directory. Fail. Ah, mince. Ah oui, state directory, oui. Hop. Voilà. Allez, c'est reparti. Alors, ça aurait été très intéressant quand même d'essayer de trouver cette histoire-là de fact, parce que dans l'absolu, ça permet de pratiquer. Alors, qu'est-ce qu'il a? Rsync, delay, ouais. Repo. Permanently add. Oh, oui, il a voulu le faire, il a voulu le faire en... Ok, il a voulu le faire de façon, ok. Alors, j'ai dest... Dears, group existing links mode partiel perm primary récursif set remote user sh connection source. Attends, je vais juste faire une synchro checksum, compress, copy links, delay update, delete, dest. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, effectivement, Kazé. Ça ressemble à un truc obligatoirement... Ah, delegate to. Ok. Or entirely on a remote machine. Donc on peut faire un delegate to. Alors. Delegate to local. Ouais. Alors attends, je voudrais revoir le delegate to. Il est où? In push mode, the local host. Or delegate is the source. Gna gna gna. Alors. Parce que là, ils mettent delegate.host.
Delegate to local. Là, c'est local host, c'est à chaque fois la machine control. La control machine. Donc, ça, ça va pas le faire. Synchronisation source sur le delegate host to dest. Ok. Ah, voilà, inventory hostname. Ok. Nickel. Parfait. Hop. Kazel, le localhost, si je comprends bien, c'est la control machine et c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le remote. Et pourquoi il en veut pas unsupported parameters? For delegate to. Inventory hostname. Bah pourtant. Alors. Parce que là, de toute façon. Si je dis host fou, ça va peut-être pas le faire. Mais je peux peut-être mettre host. Inventory hostname. Je peux peut-être mettre le host. Bah non, justement. Je pense qu'elle n'existe pas. Je suis pas sûr qu'elle existe. Ouais, fou marchera, mais c'est un peu. J'ai l'impression d'être dépendant du nom de la machine et ça m'embête un peu. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une variable pour une variable par défaut qui indique le nom de la machine vers laquelle on travaille, en fait. Donc si jamais Ansible est-ce qu'on aurait une variable inventory hostname et Ansible hostname. Ah. Donc c'est des built-in variables. Alors je crois que je vais tenter le Ansible hostname juste pour. Hop. Allez, c'est reparti. Roulement de tambour. Alors, est-ce qu'il va passer? Non, toujours pas. Supported parameters. Alors, on va les lire, hein. Owner. Ah non, ça c'est les. Unsupported parameters for module delegate to. Supported parameters. Ah. Attends, c'est chelou ce truc. Local rsync pass. Set remote user times. Rsync opt. Delete. Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Alors pourquoi? J'avoue être un petit peu. Je pensais que ça irait plus vite cette histoire de rsync. Le delegate to doit être Ah, c'est peut-être ça. Attends, je suis où là? Package, non. Ah, ne me dis pas que c'est une histoire d'indentation. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les sect facts.
Voilà. C'est là. Et si je regarde mon. Ah oui, le délégué de tout, effectivement. Ok, donc c'est. Hop. Ok. Hop. Allez, c'est reparti. Roulement de tambour. Bien vu, hein, l'indentation, Kazé. Bien vu. Alors, là, on clone, on gère le document de route. Ok. T'inquiète, 90% de tes erreurs. Ah oui, alors ça, le Unreachable. Ah bah, ça commence mal. Coup de note résolve. Ah oui, d'accord. Donc là, on va refaire un inventory. Hop. Ou alors, il va falloir que j'aille IP. Ça va être la blague. C'est bizarre qu'il ait repris le. Ouais, bah le hostname, ça va être un Ansible hostname. Alors, après, si derrière le inventory hostname, il reprend le hostname. Ouais, bah. Fail to find required execute. Ah, bah, ça va. Ça va, on peut gérer. Alors, package, hop. Alors. Alors ça, on va devoir peut-être faire une liste de packages en fait. Salut Jonathan. Ouais, t'arrives effectivement pas très loin de la fin du live, mais il reste encore quelques minutes. Hein. Donc ça va. Ça va bien se passer. Pop, 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 pom. Alors. Alors. J'étais en train de me dire. J'étais en train de me demander, est-ce que genre je peux faire ça en fait? J'ai un doute sur la syntaxe et je suis en train de regarder en fait. Et en fait, ouais, je peux faire comme ça. Donc, on va le faire comme ça. Hop. Ok, ça c'est bon maintenant. Ensuite. Hey, mais attends, il a fait la synchro, il a fait la synchro. Il a fait la synchro. Il a fait la synchro, mais non, il m'a remis un. Il m'a laissé le HTML en. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là. Attends, handle document route, var 3w HTML, c'est censé être un directory, pas un symlink. Clone, ok. Handle document route. Il a fait comment? Handle document route, il a dit ok. Allez, vu que c'était un symlink, il l'a quand même considéré comme un. Ouais, ok, donc là il a terminé. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, où est-ce qu'elle est la doc sur les. Non, c'est pas les variables qui m'intéressaient. C'était. Non, pas le package.
Voilà, file module. File module, est-ce qu'il a des trucs du genre soit un peu strict ou un truc du genre? Ah, d'accord, c'est parce qu'en fait on peut suivre les siens symboliques. Donc là, il faut lui dire follow anneau. Ce qui n'était pas le cas par défaut, hein. Avant Ansible 2.5, c'était no par défaut. Ok. Recurse. Source. State. If directory, tous les uns sont créés s'ils n'existent pas. Ok. Ok. Et juste au cas où, est-ce qu'il propose un exemple avec un follow? Non, pas particulièrement. Access time, modification time. Non. Ok. Bien. Allez, on va tenter ça. C'est reparti pour un tour. Tu vois, il y a quand même des choses intéressantes, Jonathan. T'arrives peut-être à la fin, mais tu vois quand même des choses intéressantes. Alors. Non, il n'est pas d'accord. Oui, il existe déjà en tant que link. Allez, c'est reparti. Je le passe en mode bourrin là, c'est tu fais ce que je dis quoi qu'il arrive. Moins insecure, moins yes I know, moins non, il veut pas. Il veut pas. Alors, je suis tenté de vouloir faire un truc, c'est de me dire bon, habituellement, quand on pop une nouvelle machine, le var 3w.html, il existe. Pas en tant que lien symbolique. On peut peut-être s'arranger avec un petit RM bien placé sur la machine et puis on dit qu'on n'a rien vu. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce serait triché? Est-ce que ce serait triché? Access time format. Ah, pour jkargo, oui, ce serait triché. Bon. Quand tu montes ta VM, le lien n'existe pas, c'est pas triché. Ah, il y a des, y a du débat là. Et il est déjà 22h. Après, je peux assumer que c'est. Comment dire? Je peux assumer que je triche. Après, hein, je peux dire, ouais, je triche, et alors? Tu peux faire un set un set fac le truc que j'ai évité le truc que j'ai voulu éviter en fait je peux faire un set fac qui va contrôler l'existence d'un fichier répertoire et tu fais un when stat.exist ah là là c'est tentant hein, de Parce que là, grosso modo, ce serait de dire... Ce matin, tu as crash une VM complète de dev juste parce que l'idem potence te gavait. Alors tricher. Pour repartir à zéro. Donc en gros, il y aurait un Ansible built-in file path.
var 3W.html en state, on pourrait dire absent. Et à ce moment-là, tu aurais un when qui serait là. Le when, ce serait stat.exist. Stat.exist. Ah d'accord, tu vérifies d'abord. Donc on ferait hop. Stat pass register, ok. Hop. Donc var 3W.html et le register. Et le register, ça pourrait être du coup en variable, on va l'appeler document root type. Je vais peut-être le mettre en hop comme ça. Et je pense que je suis pas bon sur l'indentation. Voilà. Ensuite. Handle document root. On va faire part 2 et 3 en fait. Ok, et du coup là on peut dire hein, on peut faire un Ansible built-in file. On va lui redonner le chemin. On va lui dire state absent. Hop. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un when. Et myvar, donc myvar bah, sera ça, point stat, point exist. Ouais, mais alors du coup, ça va pas, attends, il y a un truc qui m'embête, il y a le exist, ok, mais est-ce qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin? Est-ce qu'on peut lui dire, ouais, du coup, je le détruis à chaque fois, on est d'accord, Kazé. Is dire. Donc, est-ce qu'il y aurait genre un is link ou un truc comme ça? Ou alors, je peux lui dire, when, je peux faire une condition qui est négative. Je vais plutôt chercher à savoir si c'est un répertoire. Et si c'est un répertoire, je le... Ansible negate when negate filter. Ah, ça c'est plutôt du stack overflow, c'est peut-être pas forcément évident. Les conditionals, voilà, ça c'est bien la doc officielle. Juste un note devant la condition. Et ben dans ce cas-là c'est très bien. When not my var. Et ben voilà, when not register name qui sera du coup document root type. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. On y croit, et puis après, on s'arrêtera là. Alors du coup, désolé, Vanston, j'aurais pas effectué la découpe là comme tu le voulais. Mais je pense que c'est que partie remise. Je pense que je ferai comme tu l'entends dans la partie après. Allez, puis je committerai ça à un autre moment, plus tard. C'est le dernier run là. Ça a l'air de bien se passer, je vais tout de suite vérifier sur la machine. Et effectivement, voilà, il m'a fait un HTML. Il m'a fait un répertoire repo. Ah, le vilain. Il m'a fait un... Ah, bah oui. Donc, il faudrait que je fasse ça, en fait. Allez, je vais faire mon goré. Hop, on va le relancer viteuf. Et on va regarder.
Hop. Ah bah c'est bon, voilà. Nickel, c'est fait. Il l'a fait, voilà. Ok, super. Alors, hésite pas aussi à découper tes découpes, genre entre les différents services. Ok. Ok, merci Vanston. Allez, hop, on va passer comme ça. Eh ben merci beaucoup pour votre aide, que ce soit Jikergu, Vanston, Kazeneiba. C'était super chouette de pouvoir avancer ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de me remettre un peu comme ça dans le bain Ansible. Donc, je suis très content. Donc, comme je disais en début de live, je pense que je vais commencer à partir de la semaine prochaine la remise à zéro du Home Lab ou du Network Lab, je sais pas trop comment on va l'appeler. Pareil, de toute façon, je vais recréer un nouveau dépôt Git et puis on va mettre tout ça dedans. On va repartir sur du Terraform, du Cloud Init et puis bah, il y aura quand même de l'Ansible après. Selon la manière dont les choses évoluent. Sans doute que ce qu'on va commencer d'ailleurs par faire, avant de rentrer directement dans la technique, parce que j'ai quelques idées sur la manière dont je voudrais organiser ce labo réseau virtuel, et je voudrais vous en faire part, et je voudrais même vous faire participer, si ça vous intéresse, justement de voir ce que vous en pensez, de la manière dont on pourrait, agencer ce labo réseau virtuel. Donc je pense que la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 20h, on commencera par faire du schéma. On lâchera le terminal un petit peu, on fera du dessin, et puis ensuite, ben, soit le dessin va vite et puis on peut se lancer, soit on passera 2 heures à dessiner. Voili voilou. Pour les nouvelles et les nouveaux, si jamais vous connaissez pas la chaîne, je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h. Bon d'accord, je dépasse encore un peu. Et le dimanche de 18h à 20h. Les jeudis sont plutôt orientés voilà, sur des trucs que je découvre ou que je redécouvre. Et aussi des choses que qui sont attrait à mon labo virtuel. Et en ce moment, du côté du dimanche, je continue une série de TP d'apprentissage de gestion d'un serveur Linux orienté débutant. Et les 2 dernières semaines, on a pu découvrir Docker. Voilou. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée pour celles et ceux qui sont en direct, une excellente fin de vidéo si vous regardez cette vidéo en replay. Et d'ici là, moi, je vous dis à bientôt. Bye bye !